Le transformer, le nouvel appareil de freinage de FTC, est un système de freinage extrêmement modulable, avec de nombreuses possibilités de passage de cordes. Je vais essayer de vous présenter une partie de ces passages de cordes. Après, le reste, c'est vous qui l'inventerez. Donc on peut travailler sur un mini-cylindre avec une sortie à gauche ou sur le même mini-cylindre avec une sortie à droite. Vous pouvez travailler sur le mini-cylindre de gauche ou le mini-cylindre de droite. Pour augmenter la force de freinage, vous travaillerez sur les deux mini-cylindres en croisant la corde sur les deux appareils avec une sortie à droite dans cette configuration-là. Mais vous pouvez également faire une sortie à gauche. Vous pouvez travailler indépendamment sur les deux mini-cylindres avec deux cordes. Avec sortie à droite, sortie à gauche ou vice-versa. La dernière possibilité, c'est de travailler avec une troisième corde sur le winch. Pour travailler sur le winch, vous venez directement passer la corde derrière l'oreille de guidage. Vous faites un maximum de tours sur votre winch. Vous sortez sur le self-tailing et vous treuillez. Pour descendre la branche, une fois qu'elle est treuillée, vous venez placer la corde dans le guide corde. Donc je vous ai présenté la configuration complète du transformer. Une autre configuration, c'est celle sans le winch. Donc très facile à enlever, deux goupilles. Voilà, utilisation du transformer sans le winch. Deux mini-cylindres qui permettent de travailler avec deux cordes ou avec une seule corde pour des grosses charges.